Bonsoir, il va parler bientôt. Moi, d'abord. Ce qu'elle veut dire là, ça va beaucoup vous aider. Parce que la pauvreté va s'arrêter dans votre famille. À partir de vous, vos enfants, les enfants de vos enfants. Au fait, as-tu fait le doc chez qui? Ça marche pas le moins. Vous savez, vous êtes pauvre parce que vos parents ne vous ont rien appris. Moi-même, j'étais pauvre parce qu'on m'avait rien appris. Prenez le cahier pour noter. Pas encore s'arrêter comme ça. Mais je dois mettre la lumière ici. C'est mieux avec le Mitumba. Moi, l'avocat. Ah, c'est la chiquan. Vous avez même pas le bobo, c'est la chiquan. Voilà, il est fini. Je vais parler maintenant. Avec la noix de coco. Maman.
J'entends les nourritures ici dehors. Attendez, moi j'arrive. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. J'arrive. Moi, je ne porte pas les décolletés. Comment la bise s'est ouverte? Voilà. Je ne pense pas que vous ayez besoin de voir ma poitrine pour m'aimer. Tu as appelé pour le kit attraction. Le kit attraction a quoi à voir avec moi, Bob Benoît? Hein? Il ne va pas voyager pour faire mes affaires parce qu'il va rester au Cameroun pour voir le kit attraction. Je mets la lumière entre vous et moi. J'ai laissé ma cloche au Cameroun. Il faut que j'achète une autre cloche ici. C'est ça que ça pesait déjà beaucoup de personnes. Même moi, la cloche, elle me plaisait. Bonsoir la reine Blondelle. Bonsoir la reine Marcel. Alright, on est prêt. Il reste un détail, lequel je dois brancher. Je dois brancher ce téléphone. Comme ça, on va parler. Je n'ai pas enseigné ce matin. Donc, les témoignages, alors, ça pleut. Ou même vous voyez en tout cas. Et les bienfaits du sel, et les bienfaits du lavage, et le kit célébrité. Kit célébrité, alors c'est grave. Vous voulez même vous faire écouter un témoignage d'une dame là? Toujours les femmes qui ont les maris, qui n'aimaient pas trop les choses ici là, non. Et là, elle dit que son mari était un peu sceptique. Mais par la grâce de Dieu, il a suivi ses instructions. Elle a préparé le bain. Elle lui a donné de se laver avec. Il s'est lavé avec elle, bien, bien. Il a commencé à ne plus être intéressé par ses amis ticônes. Il a commencé à être dégoûté petit à petit par certaines choses. Et elle dit qu'avant qu'il ne fasse le lavage à distance, ils avaient beaucoup de problèmes à la maison. Ils s'engueulaient. Elle dit que quand elle commençait le jeûne comme ça, là, ils vont faire les problèmes la semaine-là jusqu'à. Donc, ça a aidé. Le lavage a aidé dans ce sens-là. Il y a aussi une dame, elle dit que celle-là a lavé sa fille deux fois déjà. Après le premier lavage, sa fille qui était très paresseuse, très lourde, qui ne voulait pas étudier, elle a commencé à être éveillée. Certains d'entre vous, vos enfants sont bloqués, vous ne savez même pas. Tu vois, l'enfant a la volonté. Mais la personne qui t'a bloqué a bloqué ton enfant. Tu ne te rends même pas compte. Donc, pour te bloquer là, on a bloqué ton enfant. Tu vois un peu. Donc, je vais vous donner mon opinion, on va dire comme ça. Donc, j'invite des ancêtres. Yves Landry, ne mets pas la fatigue sur moi. Tu as compris? Tu as compris, Yves Landry? Même dans le sommeil,
Je peux enseigner ici, là. Vous pensez que l'argent vient quand on va se recoucher pour dormir. Allez dormir. Dormez, devenez pauvre. Vous avez compris? Je suis fatiguée. Fatiguée quoi? Ceux qui me côtoient, vous connaissez que je ne dors pas. Je vais dormir sur la terre. Le Podine, nous prions pour ta guérison. Prompt recovery, que tu guérisses rapidement. Nous envoyons les anges qui te fortifient. Nous soyons tes pieds, ton ventre, ton cœur, tes poumons, ta tête. Voilà. Je vais enlever toute mauvaise onde. J'enlève tout des opticons. Je salue mes ennemis. Mais je ferme vos bouches dans mon direct. Vous n'allez pas déranger ce que je vais dire. Voilà. Donc j'invite. Invitez vos ancêtres, invitez-les. Maman Aurélie Guémier, ma jolie maman. Mathieu Gisèle. On invite qui d'autre? Mettez les noms. Bon, vous la reine Toutine. Tout ce qu'on vous a appris quand vous grandissiez, c'était pour vous programmer pour que vous n'ayez pas l'argent. Vous comprenez bien? Regardez dans votre ville. De là où je suis, je vois une grande partie de Libreville. Libreville est construit à 10% d'immeubles. Il n'y a pas de maison ici. Il n'y a pas de maison ici. Vous avez des croyances limitantes qui sont en train de vous bloquer vous-même. Et vous ne savez pas. On a accepté. Tous les ancêtres que vous nommez ici, là, je reçois leur sagesse. Je reçois leur sagesse pour vous guider. Au nom puissant de Jésus. C'est très bizarre. J'ai l'impression que le câble ne marche plus. Donc, ma batterie est finie, est presque vide. Pendant que vous mettez le nom de vos ancêtres, laissez-je pas chercher le câble. Il me faut le deuxième câble du téléphone. Si. Que la lumière soit. Ben, la reine Toutine, je me souviens de toi. Hein? Je n'oublie pas les gens. Je n'oublie pas les gens. Tu es en France, non? Avec beaucoup de pouvoir, mais un peu timide. Tu es un peu timide par rapport à tes pouvoirs. Le kit célébrité. Il y a une dame qui a envoyé un témoignage. Je crois qu'on va le poster dans la semaine. Sa voiture de rêve, c'est Range Rover. Elle a pour le kit célébrité. Quand vous êtes connecté à l'esprit de Dieu, vous allez dormir, ils vont vous dire ce que vous allez venir prendre chez moi. Allez, prenons le kit célébrité.
On lui donnait comment ça utiliser. Elle a une duster. Elle est en train d'aller chez sa... pour se faire une manicure en tout cas. Et elle dit que généralement l'endroit là, on ne trouve pas la place pour se garer. Bon, pendant qu'elle est en train d'approcher, je vais déjà préciser que la femme, si pas souvent son temps à m'envoyer les vidéos de Range Rover. Elle me dit, regarde la voiture qui est garée devant moi, ma voiture de rêve. Regarde la voiture qui est à côté de moi, ma voiture de rêve. Donc, elle cherche la place de parking, elle arrive au feu. Et au feu, il y avait une Range Rover qui était garée, un ou une Range Rover. Tout ce qui m'importe, c'est que c'est Range Rover. Si tu as la clé de Range Rover, tu ne peux pas savoir si c'est le ou là. Et il y avait le Range Rover qui était garé à sa droite. Le monsieur dit, mais madame, vous êtes trop belle. C'était peut-être un arabe, je ne sais pas, turc comme ça. Mais non, vous êtes trop belle. Mais non, non. Vous savez quoi? Attendez, je vais sortir d'ici puisque la personne que j'attends qui est à la banque ne va pas durer. 5 minutes, la personne va venir. Donc moi, je vais sortir, je vais faire le tour de la ville, enfin de ce rond-point où on est. Pendant que je fais le tour, la personne va sortir. Donc garez-vous. Pendant que la personne te fait sa manœuvre pour partir, il baisse sa vitre, il lui dit, je vous vois très bien dans une Range Rover comme la mienne. Mais couleur rouge, bordeaux et blanc, un truc comme ça. Je ne sais pas si ce sont tes couleurs, pardon, dis-moi, j'ai oublié les couleurs. Elle dit que quand il lui a dit ça, elle a crié que amen oh. Elle a tellement rêvé que Dieu passe par la bouche de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas la reine Jocelyne pour lui dire qu'elle reçoit ta Range Rover. Elle dit que les couleurs que l'homme l'a dit, c'était les couleurs qu'elle demande souvent quand elle aime ses prières. En tout cas, les gens qui veulent l'entendre, entendent. Donc je revenais aux croyances que vous avez reçues dans l'enfance. On vous a beaucoup dit. Ou encore, vous avez vu des peurs de vos mères. Ah, rouge et blanc, net, net. Oui, mamie, te voilà, rouge et blanc. Bonsoir, la reine Héricia. Rouge et blanc. Commence par le kit fondation. Après, tu prends le kit déblocage. Plus, plus. Après, tu prends le kit, si tu fais le commerce, mais vous devriez tous faire le commerce, tu prends le kit commerce. Avant que tu ne vois ta chose dans le physique, ça aura un goût là dans ta gorge. Ça aura un goût là dans ta gorge. Genre, hey, au pungag. Tu vois non? Au pungag. Tu vois le goût de ça non? Oui. Un peu comme quand tu vas aller voir quelqu'un pour faire l'amour avec la personne. Mais en avance, tu penses au goût de ça. C'est vrai que ce n'est même pas la même chose. Il n'y a même pas comparé à ça. Bon. Vous avez beaucoup de choses qu'on vous a dit quand vous étiez en train de grandir. Que vous avez vu autour de vous. Par exemple, dans ta famille, tu n'as jamais vu quelqu'un qui est milliardaire. Dans ta famille, peut-être au Cameroun, personne n'est jamais parti en Europe. Personne n'est jamais parti en Europe. Te voilà, tu commences le kit fondation, lavage, oh donc ça la calme. Il y a même une dame hier qui m'a dit que, bien sûr, si elle est dans ce direct, elle ne va pas se prononcer. Elle m'a dit que cette dame avait été trop bloquée. Ça n'a pas de blocage, elle était plus exponentielle. C'est bien que quand tu n'as pas de blocage, c'est déjà que l'esprit même vient lui-même. Il dit que je l'ai bloqué. Il parle à travers elle, que je l'ai bloqué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça fait 3 mois qu'elle travaille sur la femme là. Elle a passé la première partie de la loterie américaine. Elle me dit qu'elle n'arrivait pas à croire. Elle me dit que sa part de choses était tellement bloquée que... Donc elle ne voyait pas le bout du tunnel. Quand hier elle m'a envoyé la lettre, elle dit qu'elle t'envoie la lettre. Elle dit que je ne lis pas bien l'anglais, mais je suis sûre que, regarde, je lis là, je lis, je dis que c'est ça. Donc, tu vois, quand tu as tellement souffert, tu as passé 25 ans de souffrance, tu commences maintenant à reprogrammer ton esprit. Ok, personne dans notre famille n'est jamais parti en Europe. Même ceux qui sont partis, ils ont fait 6 mois au Maroc, on les a renvoyés. Mais moi, il va arriver en Europe en ayant mes papiers. Ou bien il va arriver au Canada, aux États-Unis en ayant déjà les papiers. Donc, vous qui me suivez, vous allez briser les barrières qu'on avait mises dans votre famille. Les choses qu'on avait dit dans votre famille que personne ne va jamais. C'est bien que quand tu aimais même l'idée, on dit que tu as vu qu'il y a raison. Ta mère avait essayé les mots à 35 ans.
Ta mère avait serré moi, non? L'autre jour, je crois que ça fait 2 semaines, j'ai fait un direct, je vous ai dit que vous avez déjà brisé les malédictions générationnelles. Là. Vous avez brisé. Les choses que votre arrière-grand-mère a connues, votre grand-mère a connues, votre mère a connues. Vous-même, vous avez connu ça depuis 5 ans, 20 ans. Vous êtes dans la période où vous êtes en train de détruire la chose-là. C'est en train de finir de ta vie. Je ne parle pas pour parler, je ne parle pas pour vous faire plaisir. Tu vas rester comme ça là. Parfois, en un an, tu ne voyais pas 1 million. Tu ne touchais pas 1 million. Tu vas rester comme ça en une journée. 10 millions, pam. Le lendemain, 10 millions, pam. Le lendemain, 10 millions, pam. Mais c'est quelle qualité de réseau? C'est quelle qualité de business ici? Business ici, ici, ici. On fait les comptes dans tous les pays. 15 millions de rentrées. Le lendemain, 18 millions. Après, 19 millions. Range Rover pour toi, tu achètes même par jour, tu peux acheter 4 Range Rover si tu veux. Tu peux en le voir. Vous avez brisé des malédictions, les blocages. Écoutez, hein, les esprits, les monstres se connaissent. Un jour, je vous ai fait écouter l'audio ici, là, non? J'ai fait un lavage ici, là. J'ai parlé, je vous ai fait les déclarations. J'ai mis une partie de ce que je fais souvent en privé. J'ai mis ça sur Facebook. Une dame écoute. C'est comme si chez elle, en France, elle a mis les pieds dans l'eau, elle a fait le lavage que j'ai dit. Elle m'envoie le voice. Première partie, c'est elle qui parle. Deuxième partie, c'est le démon. Le démon qui la bloque depuis des années, qui parle. Il dit, ne prie plus pour elle. Pourquoi tu veux qu'elle devienne riche? Ceux qui étaient dans le direct le jour-là aussi, vous avez... Pardon, témoignez, racontez si les gens comprennent. Que je suis le serpent qui est dans son ventre. Pourquoi tu veux qu'elle devienne riche? Que la reine ne prie plus pour elle. La reine ne prie plus pour elle. Ne prie plus pour elle. Émilie Foka, tu ne sais pas ce que ton rêve veut dire. Tu es bête. Tu rêves que tu es en train de commencer 2 business. Tu me dis que ce que ça... Tu veux savoir ce que ça veut dire. Viens, je vais te gifler. Approche-toi un peu. Approche-toi. Approche-toi. Vous êtes folle. Parce que vous pensez que quand il vient me connecter ici, là, chaque jour, je n'ai rien à faire de toute ma journée. Je n'ai rien à faire. Si il n'avait rien à faire, c'est qu'il serait en train de me signer sur Facebook. C'est qu'il vient avec déjà des décolletés que quand tu me regardes comme ça là, tu vois comme ça là, je n'ai pas le temps de ça. Ça ne donne pas le vrai argent. Si il montait mes signes, ça ne donnera pas le vrai argent comme l'argent là. Je vous ai dit hier que vous êtes dans la saison où vous allez vous déployer dans plusieurs pays. Vous allez vous déployer sur plusieurs continents. Tu rêves que tu es en train de faire 2 business, tu me demandes que ça veut dire quoi? Tu veux que tu gifles? Vous vous êtes tellement bloqué que Dieu ne peut même pas. Pour que Dieu te donne une idée, il faut qu'il te surprenne dans le rêve. Tu t'es tellement bloqué toi-même. Si j'ouvre, qui va venir? C'est ton problème. C'est ton problème. Ouvre. En passant, on fait la réunion, oh, pardon. J'ai besoin de plus de personnes dans la réunion. Mettre quelque chose là. J'ai besoin de plus de personnes dans la réunion, je vous en prie. On a commencé la réunion c'est depuis janvier. Donc, venez cotiser 200, 400 000. Ne venez pas cotiser les 20, 20 000. Je ne veux pas ça, pardon. Si vous avez un business même de 1 million, il faut 1 million pour commencer. Vous venez, vous portez la réunion, vous partez, vous lancez le business. Quand l'argent vient, tu dois avoir un plan sur l'argent là. C'est que ça va partir le tout. Maintenant, ce que vous avez grandi en voyant personne dans votre famille milliardaire, votre mère souffrit tellement. Souffrit tellement. Souffrit. Ta grand-mère souffrit. Du coup, toi-même, depuis 20 ans, tu souffres. Une tête dans la réunion, là, c'est 200 000. Si tu viens prendre même 4 têtes, ce sera bien. Comme ça, quand tu bouffes ça, ça donne beaucoup d'argent. Tu mets 600 000 de côté chaque mois. 600 000, c'est presque 1 000 euros, non?
Tu bouffes ça, ça donne même 10 000 euros. Tu peux, tu fais une fois un truc avec. En fait, j'ai fait la réunion là pour que les gens la mettent, commencent à mettre votre argent de côté, commencer à même le terrain, si c'est le terrain que tu vas acheter, commencer à faire quelque chose. Donc je reviens à ce que je disais. Dans votre famille, vous êtes habitué à voir personne atteindre certains seuils. Vous êtes habitué que même si on arrive en Europe, tu arrives en Europe, tu trouves tes cousins. Chacun peut-être aide-soignante, infirmière. Personne n'est comptable, ministre. Tu vois le genre de position que quand tu as dans un pays comme ça là, on a repris le mois-ci. Donc, vous avez peut-être 2-3 semaines pour, de maintenant jusqu'à la fin du mois pour envoyer votre argent. Voilà. Et vous êtes déjà habitué à être dans la classe basse. Vous êtes habitué à être dans la classe basse. Vous allez devoir comprendre que le vrai argent vient premièrement par les activités, les business. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, je vous ai déjà donné 50 000 façons de commencer quelque chose. Tu peux n'avoir que 100 000, tu commences avec 100 000. Tu peux avoir 20 000, tu commences avec 20 000. Le plus important, c'est de commencer. Ne laissez pas les gens qui ont 100 000 euros, vous voyez 3 immeubles, ne les laissez pas vous influencer. Ne les laissez pas vous influencer. Deux options. Soit c'est la richesse de papa. Et papa lui-même a commencé quelque part. Soit c'est leur richesse qu'ils ont commencé quelque part. Quoi qu'il en soit, on a commencé la richesse là quelque part. Donc tu tombes, tu commences ta part quelque part, ça va donner quelque chose demain. Donc vous devez oser. Vous devez oser. Le système de pensée du Cameroun, vraiment, je vais vraiment faire une petite pause, je vais un peu bifurquer ici pour dire ceci. Le Cameroun est béni. Vous savez, on a beaucoup critiqué le président Paul Biya. J'ai visité les pays où on donnait l'argent aux gens. On payait l'école de tout le monde. On logeait les gens. On donnait les bourses à tout le monde. Vous savez ce que la génération d'aujourd'hui est dans ces pays-là? Vous savez. Reconnaissez-vous vous-même là-bas, vous me dites. C'est difficile pour un Libanais de venir au Cameroun. Il fait la compétition avec les business des propres Camerounais. Les Camerounais ont les supermarchés dans leur pays. Les Camerounais ont les supermarchés. Ce n'est pas dans n'importe quel pays africain que tu vas partir. Tu vas voir un Camerounais, un Africain de ce pays qui a le supermarché. Vous savez ce que ça a fait aux Camerounais? Nos parents ont d'abord enlevé de leur tête qu'ils attendent quelqu'un. La grâce lumière, je vais te bloquer. On ne fait pas les émojis de pleurs dans mon direct. On ne pleure pas ici. Tu es ici là pour essuyer tes larmes. Tu apprends comment toi-même, tu vas mettre l'échelle. Tu es là pour apprendre comment tu vas mettre l'échelle. Sortir du trou. Là où tu es. Tu montes 1, tu montes 2, tu montes 3, tu montes 4, 5. Et quand tu sors de là, tu te laisses l'échelle là-bas. Ceux qui sont dedans, celui qui veut, il sort aussi. Celui qui ne veut pas, il laisse. Mais quand tu sors de là, tes enfants ne peuvent plus jamais souffrir. Parce que quand tu apprends à chercher l'argent, à moins que tu ne sois un Decepticon, tu prends tes enfants, tu leur montres comment tu fais. Certains de vos enfants, là, quand ils vont finir l'école, ils vont finir comptabilité là. Ils viennent, il est comptable de l'entreprise. L'autre, il finit docteur, il vient, tu ouvres la clinique, il part dedans. Quand vous voyez souvent les gens là au pays, vous dites qu'il est égoïste, comment il peut prendre ses enfants pour travailler avec eux. Écoutez, il sait comment développer l'argent de son pays.
on a été béni au Cameroun parce que nos parents ont d'abord dû être, on a lavé le cerveau. Personne ne va venir te sortir de ton trou. Ils ont resté chercher à gauche, chercher à droite. Finalement, ils se sont dit que vous savez quoi? Travaillons. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vos parents n'étaient pas très riches. Ils n'étaient même pas riches. La richesse générationnelle, ça se prépare. C'est-à-dire, si tu manges aujourd'hui, ça veut dire que ton père t'avait déjà mis des choses dans la tête. Il t'a envoyé dans la bonne école. Il t'a guidé de façon correcte. Marie, celui qui vient supplier dans mon direct, pleurer dans mon direct, je le bloque. Si tu m'écoutes, ça ne t'aide pas, sors de mon direct, ma chérie, je t'en prie. I beg you. Donc ton grand-père dans les années 60, il a appris à aller au champ cultiver. Il cultive ses 100 mètres carrés, il achète encore 100 mètres carrés à côté. Il cultive, après il achète l'autre. Quand ton père grandissait, ton père a grandi en voyant le grand-père cultiver la terre. Ton père, lui, il a acheté là, il a commencé, il a ouvert la boutique où il avait le bar. Cotiser l'argent du bar ou des beignets, ou bien la mère faisait les beignets en route, ou elle vendait le restaurant, elle avait le restaurant. Tu finissais l'école, tu venais vendre avec la mère. C'était l'école. C'était l'école. Parfois, tu as honte. Parfois, on te laissait à la maison. Tu avais tes petits frères. Tu as 10 ans. Tu as t'occupé de l'enfant de 1 an. On te laisse à 10 ans. Parfois, tu as 7 ans. Tu t'occupes de 4 enfants seuls. Tu apprends à préparer à 9 ans. On t'apprend qu'on te laisse 1000 francs. Tu gères 1000 francs en 2 jours. Tu ne savais pas que c'était l'école. On vous a appris que l'école, c'est ce qu'on a payé 2 millions, le 2 millions l'année. Tu peux avoir le chauffeur. C'est ce qu'on vous a dit là-bas, non? Je vais venir vous montrer que vous avez le trésor dans vous. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés en Europe. Vous avez passé 10 ans sans papier. Tu as survécu en Europe comment sans papier pendant 10 ans? Hein? Tu bossais, non? Tu pars ici, là, tu cherches. Même ceux qui ont Boza. Tu Boza, tu traverses tel pays. Tu traverses le Bazar, le Kazakhstan, le Pakistan, l'Azerbaïdjan. Tu traverses même Dubaï là, popo. Tu dis, tu apprends à profiter de toutes les opportunités pour te faire de l'argent. Tu apprends à gérer un petit budget. Tu apprends à prendre le petit budget que tu as là. Tu pars, tu achètes, tu revends, ça donne le double de l'argent. Tu achètes encore, tu revends, ça donne le double de l'argent. Si tu peux multiplier 200, tu peux multiplier 200 000. Tu peux multiplier 200 millions. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de stratégie. Vous êtes bête. Excusez-moi, je vais vous insulter. Vous êtes bête. Vous enviez les gens. Vous êtes bête. Quand il dit qu'on a, ça me plaît jusqu'à... Massa. Souvent, vous voir réfléchir, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et je n'ai rien. Mamie, tu as quoi à la maison? Je connais seulement faire les beignets. Mince. Pas acheter la farine de 2000, tu mets frire les beignets, tu vends. C'est quoi ton problème? J'ai vendu des avocats quand j'avais 9 ans. On rentrait de l'école, on partait vendre la banane mue et les arachides bouillis. Oui. C'est le temps là que tu as appris à le rejet. Tu as appris que quand tu tacles quelqu'un, la personne t'insulte même. Tu dis tonton, les arachides. Il dit moufki là-bas. Tu as appris que le taclage. Il y a les gens parmi vous, vous avez 30 ans, 45 ans, vous ne connaissez pas comment parler un client. Dès que tu donnes à une personne, on refuse, tu rentres à la maison déposer ta marchandise. Tu es bête? Tu es bête?
veut seulement vous insulter. You don't bet. Bet.com. Tu achètes les mèches. Tu mets. Quelqu'un. On n'achète pas la, un mois, deux mois. Hey! Tu montes, tu mets sur ton statut une fois, personne ne prend, tu laisses. Tu es bête. Tu crois que qui va venir développer ton business pour toi? Tu crois que qui va développer pour toi? Bah, tu es trop confortable. Tu as tes 1 euros qui tombent chaque mois. À la fin du mois, tu as 50 euros de côté. Voilà, ça te plaît. Voilà, à l'école de police, avec les élèves policiers, leur mauvaise bouche, voilà. Ça t'a stérilisé. Tu ne connais même pas. Ça t'a stérilisé. Là où tu es là, tu es bulletproof. Personne ne peut plus te faire mal. Il n'y a pas un nom que tu n'as pas encore vu. Il n'y a pas le genre de nom et de mouf que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Même moi là, hey, avant que Facebook ne vienne avec vos injures là, pour moi quoi? Avant de me lancer sur TikTok là, je connaissais là toutes les qualités d'injures. Oh, regarde là, là-bas. Oh, tu crois que quoi? Oh, j'ai déjà tout vu ça. Regarde ta vie. Tu t'en es sorti dans les situations où quelqu'un d'autre aurait laissé tomber, abandonné. Marcel Sengana, je ne sais pas depuis combien de temps tu me regardes. Ici, c'est l'école des choisis. Je vais te dire ce qui fait un choisi. Tu as la team des supporters. Ok? Tu as tes dons. Tu as ton argent. Tu as tes business qui augmentent tous les jours. Tu as tes pouvoirs, ta puissance qui augmente tous les jours. Tu as l'équipe des jaloux. On les appelle les Decepticons. Tu as compris? Donc, t'as pas là, hein? Tu ne viens pas là où tu fais comme si tu étais trop les jaloux. Tu as les jaloux plus que qui? Vous aimez qu'on s'apitoie sur votre sort, non? Vous êtes à la mauvaise porte. Vous avez compris? Oui, marraine, aide-moi. Mouf, sors de là. Sandrine Péka, il faut être une guerrière, oui. Depuis que tu attends, même ton mari, Ticone, il ne vient pas tout seul. Qu'est-ce que donc c'est 5 francs? Tu vois comment il calcule l'argent là? Tu rentres, il te demande tous les comptes, non? Oui, il y a aussi les familles Ticone. Tu as les jaloux de dehors, tu as les familles Ticone. Il y en a même parmi nous ici, là, on a les mari Ticone. Tu connais le mari Ticone? C'est celui qui doit avec toi. Vous avez les enfants ensemble, vous avez construit la maison ensemble. Et il ne veut pas que tu avances. Chaque fois qu'il voit, tu écoutes mes vidéos, il dit, oh, tu écoutes mon quoi sur la fille là. Oui. Quand tu dis que tu vas avoir le Range Rover, il dit, tu rêves trop, quitte là-bas. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a cette communauté, c'est pour ça que tu viens ici là. Allez sur YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur YouTube. Parce que d'ici lundi, il y a maintenant les directs, je vais les faire régulièrement sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, parce que YouTube va me donner l'argent. Quand vous venez me regarder sur Facebook, c'est là, vous ne me donnez pas l'argent. Je demande parfois de partager ma vidéo, vous ne partagez pas. Je vous dis de liker, vous ne likez pas. Vous comprenez? Vous allez rester parfois une semaine et si vous n'allez pas me voir, je serai sur YouTube. Sur YouTube, c'est le même nom. Voilà. Super. Il y a les parenticones. Parenticone, c'est papa ou maman. Oui. Il y a même les enfanticones. Tu vas avancer ton enfant, tu vas te faire les scènes. T'es tu t'es au. Wow. Tu vas te tuer pour l'enfant. Ce sont les enfanticones. Voilà. C'est bon. Le volume est bon. D'accord. Tu dois pouvoir analyser ta vie. Et si tu es sur ma page depuis une heure, une semaine, jusqu'à tu es resté, jusqu'à tu vois ma tête sur le direct, tu viens.
ce qu'il y a ça dans toi. Écoutez, Dieu vous a trop aimé. Votre souffrance là. Quand tu souffrais, tu ne voyais pas que tu tirais tes enfants avec toi. Tu as un enfant de 9 ans, il connaît déjà comment faire les choses que toi, à 35 ans, tu ne connais pas faire. Tu as un enfant qui est autodidacte. Il peut trouver n'importe quoi sur YouTube, il apprend. Tu lui as dit que maman, voilà la recette que j'ai faite. Tu as appris ça où? J'ai vu sur YouTube. Maman, voilà mon site internet que j'ai créé. Tu as appris ça où? J'ai vu ça sur YouTube. Maman, j'ai que le père signe. Excusez-moi, j'ai dû bloquer quelqu'un qui m'appelait sans cesse. Tu appelles quelqu'un deux, trois fois, il ne répond pas. Tu appelles encore pourquoi? Oh putain, vous m'énervez. Maman, j'ai ma part d'enfant quand même. Tu la trouves à la nuit à 3h sur l'ordinateur. Elle crée le site internet. Elle fabrique les t-shirts. Elle met dans le site internet les coussins. Elle met dans le site. Elle dit, maman, viens payer pour que je mette en ligne. L'enfant a 12 ans. Tu crois que le genre d'enfant là sera pauvre? Tu penses que le genre d'enfant qui a 12 ans, elle pense qu'elle va faire sa ligne de vêtements sera pauvre? Hein? En tout cas, avec le genre de mince là, tu n'as pas le choix. Il va te fouetter, la sagesse va entrer dans toi. Bonsoir le roi Wafo. Amgaka. Djongaka. Vous avez dû acquérir les compétences. Maintenant, vous êtes en train d'entrer dans la phase où les compétences là vont vous aider. Je suis arrivé en Abidjan. Je vois tout le monde se plaindre. Les Libanais, ils ont ouvert toutes les belles structures ici, souvent les Libanais. Je dis, mais c'est même quoi cette affaire, c'est là qu'ils se plaignent, seulement que les Libanais. J'arrive à Libreville, je regarde. Les Gabonais même n'ont presque rien. Je dis, mais attendez un peu. Non, le Gabonais, il a la bouche. Il se couche à la maison, il dort. Marcel Diapte, je sais que vous aimez ça. C'est un thé à base d'herbes. C'est que des herbes à l'intérieur. Il y a même les fleurs dedans. Il y a tout dedans. Ce sont les fleurs avec les herbes bizarres. Moi, j'aime moins ça. J'aime beaucoup boire chaud. Hein. Ce n'est pas question de prescription. Pourquoi c'est le docteur qui t'a dit avant que tu bois quelque chose qui est bien pour toi? Voilà, regardez par exemple sur la vitre ici. Là, il y a une fleur qui est venue. Regardez la fleur, c'est une fleur. Quand on regarde sur le côté, c'est carrément une fleur. Hein. Voilà la tige. Voici la tige de la fleur. Voilà la fleur même. Bon, c'est vrai que je ne parle pas trop de la nutrition des choisis. Vous devez manger beaucoup de fruits jaunes. Mangue, ananas, banane. Le kiwi aussi. Mange souvent. Les fruits jaunes en tout cas, jaune et orange. Ça aide beaucoup. Manger très peu de viande. La viande n'est pas... Pour le système, la viande a quelque chose là que ce n'est pas bon. Donc le moins possible. Beaucoup de thé. Et ce n'est pas parce qu'on est mince qu'on est spirituel. Tu peux avoir ton, tu peux être bien dodu comme ça là, mais tu manges des choses qui sont très connectées, on dit comme ça. Donc je vous disais que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train d'entrer. Bonjour le roi Ngecha. Vous êtes en train d'entrer dans la phase où il faut mettre en pratique ce que vous avez appris. Pendant 5 ans, tu as appris à jongler. Est parti de 100 euros pour fabriquer 10 000 euros. Tu as appris à commencer un business, tenir le business, multiplier les employés. Tu as appris à faire les interviews rapides. Tu as appris à avoir le sens du jugement.
Tu as appris à négocier les prix en achetant et en vendant. Tu as appris l'art de la vente. Tu as eu la confiance en tes capacités de vente. C'est-à-dire, tu sais que si on me donne n'importe quoi, je peux vendre à n'importe qui. Maintenant, tu es dans une phase où ton chiffre d'affaires va augmenter. Avant, tu gérais les 100 000. Maintenant, tu vas gérer les 10, 15 millions. Tu vas avoir ton chiffre d'affaires mensuel comme ça, là, tu vas te retrouver dans les 50 millions. C'est la phase dans laquelle tu es en train de partir. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment ce qui vient vite. Mais il y a aussi d'autres qui savent que, en maintenant le cap, et surtout en obéissant, moi je pense que ce qui fait le changement dans ma vie, c'est mon obéissance. Je suis sensible à l'esprit. Si l'esprit est comme le vent avec moi, si l'esprit te dit que hop, je fais hop, après ça fait que hop, je fais hop. L'esprit te réveille la nuit, minuit, dit que lave-toi, tu te laves. L'esprit te dit que jeûne, tu jeûnes. L'esprit te dit que pars là-bas, tu pars. Tu rêves, dans le rêve, on te dit que pars dans tel endroit, fais ça. Tu te lèves, tu pars faire. Tu vois que l'esprit parlait à Joseph comment? Joseph, le père de Jésus. L'ange vient dans la nuit lui parler dans le rêve, que lève-toi, pars dans tel pays. Il se lève le matin, il dit à Marie que, Marie, j'ai fait un rêve là. Allons vivre dans tel pays. Et Jojo, c'est comment non papa Jo? Pas Jo. Regardez. Voilà, vous savez que vous êtes les femmes ticones là. Regardez. Joseph a vu dans la nuit, papa Jo a vu dans la nuit que vous devez vous lever. Vous partez dans tel pays. Levez-vous, vous partez. L'esprit va vous guider comment? On te dit, mets l'argent dans le Bitcoin. Tu te lèves, tu peux mettre dans le Bitcoin. Bitcoin. Ok, Bitcoin. Bonjour. Quand vous regardez dans la Bible, les personnes qui sont devenues extrêmement riches, Abraham, il s'est levé un matin, dans la nuit, Dieu lui avait parlé. Oh, je vais te rendre riche. Oh, quitte la maison de ton père. Oh, peut-être il était à contremaître là-bas. Après, il dit, il était comptable, il savait que quand j'attends encore même 40 ans quand le père va mourir, c'est moi qui va prendre sa richesse. Une nuit, l'esprit lui dit de se lever, partir. Il se lève, il dit à Sarah qu'on part bientôt. Une semaine plus tard, il porte les choses, il part. Deux chapitres plus tard, Dieu l'appelle au chapitre 12. Chapitre 13, c'est-à-dire un chapitre plus tard. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Fort riche. Et regardez comment la Bible parlait de la richesse des gens. Voilà, on te dit de faire le salaka. Tu dis que l'argent est fini. C'est ça? J'ai une dame, la dame qui m'a dit qu'elle a gagné la loterie américaine. Là. Elle m'a dit qu'elle était sur la moto hier. Un esprit lui dit, descends, tu fais le salaka. Elle dit, ah, elle descend, son petit argent qu'elle a dans sa poche, elle retire. Elle achète quelque chose, elle partage. Une heure plus tard, on lui donne la lettre qu'elle a gagné la loterie américaine. Et quand la Bible décrit la richesse de ces gens-là, ça dit toujours, oh, il avait les troupeaux, il avait le menu bétail, il avait les chameaux, oh, il avait les puits, oh, il avait les ceci. Est-ce que la Bible a dit qu'il était riche en une seule chose? Je vous dis que c'est votre droit de naissance, c'est votre devoir même d'avoir plusieurs activités. It's a must. It's a requirement. Vous devez. Ce n'est pas l'esprit du discernement, il faut se laisser guider. Discernement, ça veut dire que peut-être il faut que je voie. Ne compliquez pas trop les choses avec l'esprit. Compliquez pas. Quand on dit discernement, ça veut dire que tu dois trop réfléchir. Est-ce que pas? Non. C'est clair, il n'y a pas de confusion sur l'esprit. Tu sais seulement que tu sais que tu dois faire. Oui.
Parce que parfois, je sais que les gens un peu chrétiens, là, ils aiment trop. Ouais, tu vois un peu. Mirabel, Annie, tu es top. Manimo, tu veux que j'ai pitié de toi, hein? Même si tu as 10 000 francs, comment c'est que je suis avec les 10 000 là? Voilà les ancêtres qui sont venus mettre la main sur, sur tes choses. Et c'est le business que tu dois faire. Et c'est quand tu veux dire comme ça à quelqu'un, c'est pourquoi la personne te dit que ouais, je vais te donner l'argent pour que tu lances le business. Jamais. Je vous en prie, écrivez ici là. Je commence avec ce que j'ai. Je commence avec ce que j'ai. Commentez cela. Parce que vous connaissez. Je dois avoir 2 millions de fonds de commerce. Tu gagnes 5 000 la journée. Tu crois que tu vas avoir 2 millions quand? Tu vas avoir 2 millions quand? Bête. Tu es bête. Que vous entendez souvent parler. J'ai dit, hey, Seigneur, tu as injecté la bêtise dans leur sang ou quoi? Tu es là, tu tournes dans 5 000 la journée. Comment tes yeux peuvent aller sur un business qui te faut 2 millions pour commencer? Tu es bête. Et c'est ça qui fait vous m'énerver souvent. Pas dans ta caisse. Ou le prochain argent qui va tomber dans ta main. Si c'est 15 000, commence avec 15 000. Il y a le business de 10 000 au Cameroun. Partout dans le bas, tout. Même ici, à tout. Il y a le business de 5 000. Achète que tu t'assois où tu vends. Porte la glacière, tu peux vendre. Même dans le seau. Le matin, tu achètes le glaçon de 500. Tu mets dans le seau. Tu marches, tu vends l'eau avec. Est-ce que vous avez honte? On ne doit pas me voir en train de... Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Ouvre les yeux de tes enfants. J'enlève l'idiotie de votre cœur. J'enlève la bêtise de votre esprit. Au nom de Jésus. Je vous exorcise de l'esprit de bêtise. J'attends que mon oncle m'aide. Mon oncle a dit qu'il va m'aider en septembre. Septembre, oui. Nous sommes en février. Massa. Hey. Oh. 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 Maman. Non, soit la reine Nikita. Quand tu remplis les conditions, je ne dirais même pas que c'est un peu comme si c'est des échelles que tu dois. Des échelles que tu dois gravir. Quand ton seau est plein, quand ta coupe est pleine, ça veut dire que tu es fatigué qu'on se moque de toi. Tu es fatigué de toi aller demander l'argent chaque matin. Ouais, on te donne 2 000, on jette 2 000 sur la table. Quand il y a le deuil, on cotise, toute la famille cotise. Toi, pour cotiser, on te... Oh, elle n'a même jamais l'argent, hein. Tu n'es pas encore fatigué de ça. Tu vis dans une chambre que ta soeur a construit. Elle a construit le duplex de 5 chambres. Elle a construit une petite chambre dehors comme ça là. C'est là-bas que tu vis. Pense que non. Vous faites, vous ne vous lavez pas, non. Il y a les lavages. Je vous parle de lavage chaque jour. Kit fondation, kit commerce, kit ceci, kit célébrité. Vous n'achetez rien, vous croyez que le business va marcher seul? Hein? Même le lavage à distance, il y a le lavage à distance.
On met les services, vous ne prenez pas. Vous voulez quoi? Tu vis chez quelqu'un gratuitement. Tu dois garder ses enfants. De 7 heures que la personne passe jusqu'à 22 heures chaque jour. Tu n'as plus de vie. À cause du loyer de 25 000. Oh. À cause du loyer de 25 000. Maman, pardon, sors de la maison. Tum. Tum. Ça veut dire que tu gardes les enfants là pour 25 000 le mois. Quand vous aimez les bêtes trucs là, vous voulez économiser, non? Vous voulez économiser, non? Vous croyez que votre tante elle est folle? Vous croyez qu'elle est folle? Est-ce que si elle prend quelqu'un, la personne va demander au moins 80 000 le mois? Bête, elle te prend. Comme tu es bête, bête là. Comme tu es bête, bête là. Oui. Elle va t'utiliser. Bête comme ça. Je vais sortir, je vais partir où? Avant que tu n'arrives dans la maison, là, tu étais où? Si ta tante là ne vivait pas, tu serais où? Tu serais en train de te chercher ailleurs. Mon père m'a envoyé chez elle en Europe. Je ne peux pas quitter de chez elle en Europe. C'est la soeur de mon père. Tu as dit à ton père que la femme là tu utilises. Tu n'as pas dit non. Merci beaucoup, monsieur la mémé. Comment tu vas? Tu es venu au Cameroun, tu n'es pas venu me voir. Et je ne me suis pas encore assis sur ton cas. Oyo, hein? Quand tu es venu à Paris, je ne vais pas te voir. Tu as compris? Tu étais déjà en avance, la mémé. Je vais très bien. Rien. Oh, Guy. Villa. Merci pour mon appétit. Je suis arrivé un jour à Paris. Je mets la greffe sur moi en 2019. Je trouve un gars battu femme. Il place la greffe aux femmes. Et dans le salon, il y avait au moins 4-5 femmes qui n'avaient pas les papiers. Mais quand tu t'assois, tu vois le nombre de têtes que les gens la mettent. 50, 50, 50, 50 euros. La personne peut se faire facilement 300 euros la journée. Sans papiers en Europe, comme toi. J'avais même oublié son nom. Oui, Steve. Je ne sais pas si... Monsieur Steve, bonjour. Mon palier. Et je crois que j'avais attendu même 4 heures de temps avant qu'il mette ma paille. Parce que c'était, il y avait la file là-bas, la file d'attente. Tu m'as donné quelle excuse, toi qui as les papiers? Toi! Ça ne marche pas. Ça n'est. Tu n'as même rien essayé. €100 par jour. Supposons la personne travaille seulement 5 jours, ça fait €500. Et on sait qu'il ne peut pas avoir seulement €100 par jour. Donc mettons-moi 200 €. Sont gentils. Par semaine, ça fait 1 000 €. Et ils ont les tontines là-bas. Quand vous êtes arrivé, vous avez eu les papiers. Pour vous, c'était vous étiez arrivé. Je suis arrivé. Ma vie a changé. Oh, j'ai les papiers. Oh, oh, oh. Tout oh. Voilà. On parle d'activité. Tu dis non, on m'a bloqué ici, j'attendais ça. Oh, telle personne devait laisser les gens. Tout le monde peut commander en Chine maintenant. Hein. Écoute-moi bien. Même au Cameroun, tu peux commander en Chine. Henriette Biabi, son numéro est dans le direct ici. Je n'ai pas son numéro, mais il regarde en haut de cette vidéo. Sur tous les posts de cette page, tu peux voir son numéro.
France, tu es à moitié supprimé de ma page. Continue toujours à dire que ta vie ne donne pas. Continue toujours. Pas en ligne avec le téléphone. Tu passes sur n'importe quoi. Il y a tout. Je dis que les gens restent au Cameroun, ils commandent. Ça fait un mois, ça arrive. Et ils vendent. Te voilà. Quand vous lancez votre activité, ce que vous dites de votre business, c'est très important. Le premier jour que tu ouvres là, qu'est-ce que tu dis? On vient de dire que ah, le quartier, ça ne marche même pas. Les activités ici, là, ça ne marche même pas. Tu es dans le quartier, qui va même venir chez toi? Dis-leur, oh, ah, que mes clients ne dépendent pas si je suis en route ou bien si je ne suis pas en route. Que mon business va donner, ma part, ils vont me trouver. Il y en a parmi vous, vous n'avez même pas la plaque. Tu fais dans la maison. On vient te trouver et tu es saturé, tu es surbooké. Un jour, quelqu'un me contacte. Oh, il dit que oh, consultation, je donne le prix de la consultation. Et moi, je dis que oh, c'est trop. J'ai dit que mamie, même si tu payais, je n'allais pas te consulter avant au moins 2 semaines. Je n'ai même pas la place d'abord. Je n'ai même pas l'espace. Je n'ai même pas l'espace. Même les lavages. Il y a des produits de faire le lavage jusqu'à. Certaines personnes vont attendre jusqu'à. C'est ce que tu crois de toi et de ton business qui marche pour toi. Parce que vous laissez les gens parler sur vous. Écoutez, si ils me cassent pour faire les vidéos ici, c'est parce que vous avez des croyances en vous. Vous avez des choses dans votre tête là, au fin fond là. Ah, tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Ça fait 8 ans que tu fais ça, tu vois. Il y a certains démons qui viennent dans votre vie. Ils ne vous laisseront pas tant que vous n'abandonnez pas. Et puis un beau jour, tu touches un des kits de la reine Jocelyne. Bien, le serpent la meurt. 2 semaines plus tard, on te demande de faire des grosses commandes de 100 000, 1 million, 15 millions. Mm-hmm. Son temps était expiré dans ta vie. On te sabotait tout le temps. On sabotait ton réseau. Tu as un fournisseur en Chine chez qui tu prends la marchandise, tu vends au grossiste au Cameroun. Quelqu'un dit te sabote. Ça finit tout ton réseau. Tout ta paille finit. Tu prends le kit déblocage, le kit célébrité. Bien. Chacun qui veut me t'en faire affaire avec toi. Oui, maman, donne-moi la marchandise. Donne-moi la marchandise. Je veux. Dès que tu mets ta main sur ça, comme ça, ça marche. Dès que tu touches, tu donnes à quelqu'un, il vend le même jour. Vous ne connaissez pas utiliser l'onction qu'il y a sur vous. Il y a des gens qui font business avec moi. Hein. Ils me disent que je vais acheter ce que tu vends. Pour revendre. J'aurais pu acheter en ligne, je vends moi-même, mais je veux que tu commandes, tu touches, tu me donnes. Parce que la personne sait que dès que ma main va passer sur ça, mof. La marchandise ne reste pas dans ma main. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Que qui est mort? Même si quelqu'un meurt, il va ressusciter, je vais vendre ma marchandise. C'est vous qui acceptez les blocages bêtes sur vous. Oh, tu sais, j'ai un petit démon de stagnation là, tu sais. Bloque-toi, ma chérie. Bloquez yourself. You don't see. You don't see. Bonjour la reine Kwam. C'est bien ça, si on t'a remboursé ta tête, la reine France. Parce que vous doutez trop de votre pouvoir, hein. Trop de votre pouvoir, de votre force.
en a qui veulent vous donner l'argent. Qui veut te rembourser? Mais l'argent est bloqué à la personne qui devait lui donner pour qu'il te donne. C'est comme ça que tu es bloqué. Quand Dieu te débloque, hein, celui qui devait donner à celui qui devait te donner là, sur trois personnes, l'argent là se débloque, ça vient à toi directement. Je ne poste pas en Tunisie. Si vous avez quelqu'un qui vient du pays pour la Tunisie, je peux envoyer par la personne. Mais je ne poste pas en Tunisie. Je me suis trop cassé pour poster dans certains pays. Ça m'a donné un mot de tête pour rien. Bonsoir, la reine Fonko depuis l'Allemagne. C'est une instruction. Si vous m'écoutez, vous êtes salarié, vous devez créer deux sources de revenus extra dans les trois semaines qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être tu vendais les perruques. Maintenant, achète les bracelets, tu vends. Après, tu achètes les babouches, tu vends. Tu envoies l'argent pour qu'on trouve un petit coin bistrot, un petit restaurant dans un coin là-bas au pays. Ouvrez d'autres sources de revenus. Ok? Deux sources de revenus extra. Voilà. Vous allez voir la bénédiction qu'il y aura sur l'argent là. Vous allez vous-même témoigner. C'est vrai qu'elle dit mes choses. Il y en a qui obéissent. Il y en a qui se disent que oh, la fille si bavarde trop. Comme il est bavarde, tu fais quoi sur mon direct? Wow. Wow. Oui, celle d'Abidjan, je suis à Abidjan le 23. Donc celle d'Abidjan, là, son numéro est là sur le direct. Elle est joignable. Elle avait voyagé pendant 4 jours, donc elle est joignable maintenant. Je suis à Abidjan le 23. Même si tu n'es pas salarié, tu as déjà deux sources de revenus. Crée encore deux au-dessus. Linda Kenye, ne t'inquiète pas qui va gérer. Demande qu'on va te chercher le local. Cherche quelqu'un, tu envoies la personne, il va te chercher le local. Tu peux prendre 2 semaines, tu viens au pays. Tu demandes à Dieu de te guider vers les bonnes personnes. Tu vas chercher le local. On cherche les prix des choses sur le terrain. En venant, tu viens avec d'autres choses. Tu connais d'ailleurs que ça va te coûter 4 millions, 10 millions, je ne sais pas. Tu vas te bloquer, tu as compris? Commentez de votre vous bloquer. Tu as 10 000 dans ta main, tu peux faire quoi avec 10 000? Le business, c'est que je connais là où je peux acheter quelque chose de moins cher. Je peux vendre plus cher que ce que j'ai acheté. Et dans la revente même, tu n'es pas obligé de vendre au prix du marché.
Tu peux être dans une ville où sur le marché, un produit coûte 3000 francs CFA. La reine Fonkou, tu payes une consultation express pour me parler. Tu as compris? Et si tu te laves déjà au sel, c'est que j'aurai le réseau pour te parler. Parce que certaines personnes font aussi payer la consultation, le réseau disparaît. Une dame et son mari ont payé la consultation hier, on n'a pas pu se parler. Je les ai mis à mardi. On fait n'importe comment, le réseau ne donne pas. La reine Chana, comment tu vas? Ça fait longtemps. How are you? Quand tu achètes un produit, supposons que tu vois là où tout le monde achète à 5 000, ils vendent à 8 000. Tu n'es pas obligé de vendre ta part à 8 000 comme tout le monde. Apporte une touche personnelle. Pourquoi vous croyez que vous payez 30 000 pour mes consultations? Pourquoi vous pensez que vous payez 50 000 pour mes kits? Pourquoi vous pensez que vous payez aussi cher pour, pour moi? Parce que j'ai développé en moi la confiance. La reine Liliane, tu seras au pays dans une semaine. Je vais en Côte d'Ivoire à partir du 17, le 18, je suis pour Cameroun. Donc, il faut absolument qu'on se voie avant le 18. Ok. Aurélie Denise, tu pardon, laisse comme ça. Sortir les gros mots à quelqu'un qui ne comprend pas. Quand tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, elle va comprendre que c'est quoi. C'est bien ça, le roi Idriss. Tu as changé ton nom. Tu as maintenant mis roi Mohamed. Tu dois d'abord t'asseoir, tu vois ton business être différent du business des autres. Tu vois comment les clients quittent de loin. Quelqu'un quitte de Bouddha. Il vient à Makepe, il achète ton produit. Arrivé en route, il traverse 50 personnes qui vendent ton produit. Il dit non, je dois aller chez la femme là, c'est là-bas. Quelqu'un calcule ton coquille comme ça, il dit que c'est que le coquille de la femme là que je veux manger. C'est ça les choisis. Tu fais ton business, c'est unique. Oui. Ah, le roi Iris te reconnaît très bien. Tu fais partie des premières personnes que j'ai eues ici, quand j'ai commencé à parler des choix. Tu dois développer la confiance dans tes capacités. Si bien que quand tu veux faire, on dit, wow, dans la rue, là, il y a 5 personnes qui vendent ce que tu vends. Hein. Tu dis aux gens, là, que ne vous inquiétez pas. Que moi je suis comme un homme qui fait bien l'amour. Une fois que tu as goûté, tu veux revenir encore. Non, je blague. Une fois que tu as goûté, you know, go anywhere. You dey en parlant. On monte, on descend. Tu dis que je veux me priver. C'est comme les macarons, la durée, non? Quand tu as mangé les macarons, la durée, le plaisir que ça te donne. Quand tu vois les macarons ailleurs, tu dis non. Si ça ne porte pas le nom, la durée, tu dis non. On dit good morning quand même, tu dis non, je ne veux pas gâter mes souvenirs. C'est comme ça qu'on parle du business. Parce que vous n'aimez pas faire dans la qualité, vous aimez imiter tout le monde.
Tu peux vendre le pain. Quand quelqu'un vient acheter le pain chez toi, au lieu de vendre le pain à 100 francs, tu vends ton pain à 250. Mais tu as mis une ficelle dessus. Tu as mis un petit truc dessus, comme ça, petit mot. Que ce pain croustillant te croustille la vie. Bisous. Je vous donne des idées. Le roi Feuillot, tu aimes les faux trucs comme ça, je sais. Tu aimes les faux trucs comme ça, le roi Feuillot. Tu ne peux commenter que les choses comme ça. C'est pour ça que tu as fait. Je te connais. Ça parle. Ton enfant sera plus pire que toi. Premièrement, ton enfant dans le business, il aura beaucoup d'argent. Mais il va trop déranger comme toi là. Aïe. Vous devez apporter une particularité. Même si tu fais la vente. Même si tu fais la vente à emporter. Quelqu'un arrive là-bas. En servant sa bière. Ah, entre. Tu me dis que tu es là. Tu es où? Ouais, assez comment? Et si je vais en direct? Et dès qu'il fait en direct, non. Non, après il va aller en parler. Non. Donne-moi. Merci beaucoup. C'est beaucoup, hein? Moi, je mange pas beaucoup comme ça. Hein? On va là-bas dehors, tu vas t'asseoir. Tout au fond, là, on va dehors. La femme, si passe son temps à me nourrir. Tu passes ton temps. Tu sois de faire le direct. Assois-toi alors. Thé. Tu aussi. Tu bois le thé. Oui, je bois le thé, non, mamie. Tu aussi. Vous devez apporter une particularité à ce que vous faites. Et cette particularité va faire que les gens vont s'identifier à vous. Et cette particularité-là aussi, quand vous allez ouvrir les succursales, vous allez multiplier l'ampleur, vous allez multiplier ce que vous faites. Les gens vont toujours venir. Vous comprenez maintenant, non? Donc, ne vous sentez pas, oh, je fais ça, ne marche pas. Parce que tu veux imiter ton voisin. Tu es parti chez lui, quand tu voulais aménager, tu es parti regarder comment il a fait sa part. On ne fait pas ça. Hey, monsieur Martial Feuillot, je ne peux même pas te donner, jamais. Je ne peux même pas te donner. Vous aimez trop une jotée. Hey, Facebook et les jotteurs. Non, il ne faut pas avoir tes idées sur mon téléphone. Ça ne peut pas tomber. Bon, je pense que j'ai assez développé ce que j'avais à vous dire par rapport au business. Je vous en prie. Ajoutez une touche particulière à ce que vous... à ce que vous faites. Voyez un peu, ça peut te coûter peut-être 50 000 pour faire les petites étiquettes que tu vas mettre sur les chaises des gens, ou bien sur le pain, ou sur les habits. Mais les 50 000 là, ça va te donner le droit d'augmenter le prix de tes choses peut-être de 20%. Et n'oublie pas la touche particulière, parce que vous savez quoi, les gens n'aiment pas ce qui est moins cher. Je vous dis. Les gens n'aiment pas ce qui est moins cher. Ah, ça veut dire que tout le monde peut entrer ici et avoir ça. Non, moi, je ne veux pas. C'est pour ça. Faites la qualité. Offrez la qualité. Monsieur Marcel, tu veux manger mon coquille? Le coquille, là, je vais manger ça seul. J'ai mis sur mon statut qu'elle veut manger le coquille. Comme Barazal avait préparé le coquille. Elle veut dire le coquille pour me donner. C'est pour ça, d'ailleurs, que... vous allez voir les Louis Vuitton. On peut imiter Louis Vuitton, mais la sensation d'entrer dans un magasin Louis Vuitton, acheter ta chose cash, prendre le sac de ça, rentrer chez toi avec. Là, le goût de chat. Apporter une touche particulière à ce que vous faites. Voilà. Donc, résumé un peu ce que vous avez suivi, vous avez compris quoi dans tout ce que j'ai dit là depuis? Vous avez retenu quoi? Tu as encore changé tes cheveux. Toi, tu changes les cheveux tous les jours. Vous avez retenu quoi de ce que j'ai dit? Salarié ou pas salarié, lancer deux autres business, deux autres activités qui vont donner plus d'argent.
Vous avez une capacité à vous concentrer sur vos rêves. Et on vous dit, lavez vos vœux de serre, vous ne vous lavez pas. Priez, vous ne priez pas. Faites ça, vous ne faites pas. Jeûnez, vous ne jeûnez pas. Après, vous allez me dire que j'ai rêvé, j'ai rêvé. Parfois, tes rêves, ce sont les mêmes choses. Je suis chichefak, hein. Je suis chichefak jusqu'à... Je donne trop dans ma vie, trop, en abondance. C'est pour ça que quand Dieu veut faire que quelqu'un me donne quelque chose, la personne va donner ce qui va monter le cadeau sur ça. Vraiment. Et puis, vous aimez aussi trop demander. Voilà. Commencez avec ce qu'on a. Apporter sa touche personnelle. Avoir plusieurs sources de revenus. Même vos enfants, hein, amusez-vous avec vos enfants à la maison. Donnez-leur l'argent. Donne 50 euros à ta fille de 14 ans. Elle lance son petit truc avec. Quand l'enfant aura 20 ans, elle va déjà connaître comment on manipule l'argent jusqu'à. Voilà, l'enfant, elle a 14 ans, 15 ans, c'est tout toi qui donne tout. Maman, je veux 5 euros. Maman, je veux 10 euros. Donne son fonds de commerce. Tu demandes qu'elle va faire quoi avec. Elle te fait un business plan. Tu lui donnes l'argent là. Chaque semaine, elle te dit combien ça a donné comme bénéfice. Si elle développe bien, après tu augmentes encore même 500 euros sur ça. Je demande maintenant ce que vous avez retenu. Vous ne dites rien, non. C'est comme ça que vous êtes. Bon, attendez pas d'abord. Je n'ai pas marié mon coquille, moi. Yuri, je vais te bloquer. Tu as compris? Ma reine, trouver l'idée de business est dur. Je vais te bloquer. Voilà. Lancer deux sources de revenus, deux business. Commencer avec ce qu'on a et ajouter une touche particulière. Bon. Vous passez une superbe soirée. Créer deux activités. Lavage au sel. Jeûne de 7 jours. Lavage avec urine du matin. 3 cuillères à soupe à café. Somme 35 et 91. Marie Hortense, tu es une bonne élève. Toi, tu as bien écrit tout, tout, tout. Tu n'es pas comme les Decepticons qu'il y a dans le direct sinon. Vous savez qu'il y a beaucoup de Decepticons, non? Vous êtes beaucoup d'entre vous, êtes Decepticons. Hein? Beaucoup. Beaucoup même. Je vous connais. Oh, tu vas venir en inbox. Tu vas faire une longue. Oh, ma marraine. Il dit que tu veux quoi? Oh, ça, ça s'est passé. Ma mère m'avait dit que, oh, tu veux quoi? Allez, trop vite. On va tourner autour du pot. Tout ça parce que tu vas sortir 20 000 pour acheter un kit. La pauvreté n'est pas bien. Hein. La pauvreté fait ça te rend... C'est bizarre. La pauvreté n'est pas bien. Il donne faim.